Tac, tac. Bon, allez, je vais faire cette vidéo. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Et bien à tous, c'est Don Info. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, on va part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans mon studio. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais avant de tourner une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo qui sera un petit peu vlog, voilà, on va pas faire de cut. Je vais faire une vidéo comme si je vous avais invité chez moi. Voilà, on découvre un petit peu ensemble. Et ça change un peu de toutes les vidéos que je fais. Voilà, là, il n'y aura pas de cut dans cette vidéo. Vous allez vraiment, vraiment vivre l'expérience que je fais avant de tourner une nouvelle vidéo. Donc le son et la qualité sera pas pareil hein, sur l'iPhone 7, parce que sur l'iPhone 7 on peut pas régler les ISO et etc. Et le son ça sera pas mieux que le Rode, donc je suis désolé pour ça, mais bon, c'est une vidéo vlog. Donc voilà, donc avant de commencer de tourner une nouvelle vidéo, j'allume mon micro, donc ici le Rode, c'est le Rode VideoMic. Alors maintenant j'y pense à chaque fois parce que sur une vidéo je l'avais pas allumé, et quand j'avais mis, voilà là je l'allume, et quand j'avais mis ma vidéo sur le logiciel de montage vidéo Adobe Premiere Pro, il n'y avait pas le son, et là j'étais vraiment énervé parce que on passe énormément de temps à tourner une vidéo, et après une fois que j'ai fini ma vidéo je suis tout content, et là je mets ma vidéo sur le logiciel et là il n'y a pas de son, et là t'as vraiment les nerfs et ça te fait chier. Donc excusez-moi pour les mots grossiers, mais voilà, c'est embêtant, et je passe énormément de temps à écrire une nouvelle vidéo, et voilà, et quand je pense pas allumer le micro et que t'es tout content que tu as fini ta vidéo, voilà, à la fin t'as pas de son, donc c'est vraiment embêtant. Mais maintenant, j'y pense depuis que j'ai fait cette bêtise, et au moins, il n'y a plus rien qui m'arrive. Donc, le micro, il est allumé. Ensuite, on arrive derrière mon studio. Donc, j'ai trois softbox, donc un à droite, un à gauche, plus un en haut, qui sont fixés sur des pieds. Voilà, il y a des pieds là. Un pied aussi pour celui qui va en haut. Et plus cette barre que j'ai fait maison, donc avec des objets en aluminium récupérés. J'ai fait une barre tout simplement, et donc j'ai fait un trou là au milieu et j'ai mis un boulon. Donc ça me permet en fait de me faire une perche à micro sans investir, donc c'est gratuit, et au moins ça évite de faire des achats sur internet. Donc voilà, là il y a ma perche à micro, tout ça. Et ici je retrouve mon Canon et mon trépied, le Vanguard. Et ici une multiprise qui me permet d'allumer ou éteindre les softbox. Voilà, donc je les laisse allumer pour avoir une meilleure luminosité. Ici on retrouve le Canon, donc quand je vais faire des vidéos, je vais allumer mon Canon, donc je vais mettre en troisième position. Si je me mets en on, ça prend des photos. Si je me mets ici en vidéo, mais ça prend des vidéos, tout simplement, c'est logique. Ensuite quand je tourne une nouvelle vidéo, ici en fait on a un petit cercle rond où il y a plusieurs options. Vous voyez le petit M qu'il y a ici, et bien tout simplement je vais mettre le M ici. En fait, M veut dire manuel, donc avec le M je peux choisir tout ce que je veux dans une vidéo. Donc je peux choisir les ISO, je peux modifier le son, enfin le son non, pardon, pas le son. Mais voilà, on peut vraiment modifier plein de couleurs, tout ce qu'on veut. Et on a vraiment plus de choix qu'un mode automatique. Donc là, je vais programmer tout de suite mes ISO. Donc vous allez suivre un petit peu l'expérience, même si vous ne voyez pas très très bien. Voilà, on va faire quelques petits réglages rapides. Hop, voilà, sans trop de lumière. Voilà, donc voilà ce que ça donne, vous le voyez. Et avant que j'aille tourner, avant que je commence à tourner une nouvelle vidéo, je clique ici sur le petit bouton, j'appuie pour enregistrer. Je vais sur mon lieu de tournage, je sors ma chaise pour avoir un peu plus d'espace, voilà. Et ensuite je me mets ici. Une fois que je suis ici, je fais trois petits gestes et je parle. Et ensuite je vais voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, bonjour, en levant deux trois mains, voilà. Là, on retourne derrière. Le studio, voilà, le lieu de tournage. Ensuite on arrête l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement est arrêté, on va regarder si je suis bien cadré. Donc bien cadré, ça veut dire que est-ce qu'on voit bien ma tête, est-ce qu'elle n'est pas coupée, voilà, est-ce qu'on voit vraiment tout, et est-ce que je suis vraiment au milieu du lieu de tournage, est-ce que je suis pas sur un côté, voilà, tout ça. Donc ça je le fais à chaque fois, et ça c'est très important. Donc là on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc on va voir si je ne suis pas coupé en haut de la tête, si je suis bien centré au milieu. Voilà, donc là vous me voyez. Donc ça c'est vraiment des choses que je fais, c'est très important hein, comme je vous le redis. Et voilà, là on voit que vraiment je suis très très bien cadré. On a un petit espace de blanc en haut qu'on peut couper après au montage, ou qu'on peut zoomer pour enlever. Et là voilà, donc là c'est parfait, il n'y a vraiment rien à retoucher. On peut laisser comme c'est et on peut commencer à tourner notre vidéo. Alors ici voilà, j'ai l'éclairage. Ensuite quand je tourne une nouvelle vidéo,
Je branche mon Rode sur le canon, bien sûr, j'enregistre pas du son externe. Alors, il y a certains youtubeurs qui branchent un micro externe ici sur un enregistreur externe, qui ne le branchent pas directement sur un canon. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, Canon, ils ont une carte son dedans, mais pour certains youtubeurs qui font vraiment des vidéos très professionnelles, la carte son du Canon n'est pas assez puissante. Donc le micro, si le micro est très puissant et que le Canon n'est pas assez puissant, on va avoir vraiment un son qui va être un peu plus dégradé. Donc c'est pour ça que des youtubeurs parfois achètent une petite carte son externe pour enregistrer le son. Moi je n'en ai pas besoin parce que ça me suffit amplement, mes vidéos ont un bon son pour le moment, donc vraiment ça gêne pas du tout. Moi je branche mon micro directement sur le Canon et peut-être que plus tard on achètera une carte son, mais pour le moment je pense que pour le son je pense que ça vous va très très bien. Si ça va pas, vous me le dites, mais moi je trouve que le son est très correct sur mes vidéos. Alors avant, petite précision, mon micro était posé directement sur mon Canon. Donc, attendez, on va aller derrière. Donc, mon micro était posé pile ici. Voilà, il était fixé là. Et je trouvais que le micro était un peu trop loin de moi. Et donc, ça faisait une petite résonance dans la pièce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon micro. Voilà, on voit qu'à peu près, si je suis de là à là, il y a à peu près, allez, 1 m 30, voire 40 de distance entre moi et le Canon. Voilà, on voit que c'est quand même un peu loin. Et donc pour que j'ai un meilleur son avec le micro et que le micro me capte mieux, j'ai fait cette petite perche là, maison. Et donc mon micro est juste devant moi, ici. Donc là, quand je parle en vidéo, mon micro est juste là et ma caméra est là. Donc si vous voyez, si je me mets ici, ça fait comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir parce que l'iPhone 7, il fait les mises au point sur les softbox. Voilà. Ici il y a mon micro, ici le Canon, le trépied, etc. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand je fais un test, par exemple, pour voir si je suis bien cadré, si je ne suis pas coupé, pareil, je regarde si mon micro il vient pas au-dessus de la vidéo, c'est-à-dire si mon micro, si on voit mon micro, il faut que soit je lève mon micro, soit que je regarde mon appareil photo. Alors, ce que je fais le plus possible, c'est que je fais tout pour qu'on puisse pas voir le micro. Il faut que ça soit très discret et très propre. Voilà, si on met le micro en face, voilà, c'est un peu moins propre et c'est pas très professionnel. Voilà. Chose que je fais pardon aussi, mon bureau à chaque fois que j'ai envie de tourner une vidéo, il est toujours en mauvais état. Enfin, il y a toujours un petit peu de bordel. Donc je range aussi mon bureau, ça fait plus professionnel. Ça permet aussi d'avoir un petit peu quelque chose de très très propre et pas trop de bordel. Voilà, donc ça c'est un truc qu'avant je faisais pas et aujourd'hui je le fais. Voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau de ce que je fais avant de tourner une nouvelle vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vlog sans cut vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous comptez que je fasse d'autres vidéos sur un autre type, pour le moment je sais pas, mais comme celle-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre pardon, sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut les amis.